J'avais rêvé d'avoir un métier d'aventurier sur l'eau. Après 25 ans ou 26 ans, passer sur l'eau, mais pas que sur l'eau, et je dirais globalement au sein de la marine, oui, je pense avoir fait un métier assez aventureux, avoir fait des choses que je n'aurais jamais fait ailleurs. C'est quelque chose qui reste assez fantastique. Encore faut-il aimer la mer. Le Charles de Gaulle est le premier porte-avions français à propulsion nucléaire. Long comme trois terrains de foot, haut comme un immeuble de 20 étages, le Charles de Gaulle est une redoutable machine de guerre. Équipé de 40 avions de chasse, d'avions radars, d'hélicoptères, il transporte 600 tonnes de munitions. En moins de 8 jours, cet arsenal peut être opérationnel au milieu d'une poudrière. Hommes et femmes composent l'équipage. À sa tête, le commandant Laborde, alias le Pacha. Le bateau se sépare en deux grandes fonctions et moi-même, je me sépare en deux grandes fonctions. Je suis à la fois le maire d'une ville de 2000 personnes avec tout ce que comporte les responsabilités d'un maire vis-à-vis de ses individus. Et puis, je suis aussi le patron d'une entreprise de haute technologie dont le métier premier est de produire de l'aviation de combat, même si... Comme beaucoup de mes camarades, nous nous préparons à jouer une pièce que l'on ne souhaite pas jouer. Cette pièce a vocation quand même à délivrer de l'armement et naturellement à côtoyer la notion première de la mort, celle qu'on donne, celle qu'on reçoit. Donc vous voyez que le champ de responsabilité est vaste, mais je crois que la question première, elle est quand même dans la finalité de notre activité, c'est-à-dire de se dire que on prépare des gens pour partir en opération et le but ultime, c'est de réussir l'opération et de rentrer avec tout le monde. Pilotes triés sur le volet, dont le commandant Fabrice Valette, 33 ans, pilote d'essai pour la marine. Sa mission, tester le Rafale et en repousser les limites. C'est un rêve d'enfance, comme pour beaucoup de personnes. Je me souviens plus du moment où j'ai commencé à vouloir faire pilote. Je sais qu'assez longtemps, j'ai hésité entre devenir pilote de ligne et pilote de chasse. Et bien assez rapidement, je me suis orienté vers une carrière de pilote militaire. C'est un petit peu le challenge, la vitesse, la technicité, la maniabilité, etc. qui m'ont attiré vers ce métier. Un métier qui attire les amateurs de sensations fortes. Il exige calme, concentration, rigueur. Il y a souvent, effectivement, quand on voit les gens dans des amis ou des gens que je côtoie qui ne connaissent pas trop le métier, effectivement, ils pensent que c'est un métier à risque. Ça, c'est indéniable. Des héros, je ne suis pas sûr parce que c'est des métiers de vocation. Donc, c'est des choix. Les gens ont conscience que ce sont des choix un petit peu personnels. Par contre, métier à risque, effectivement, ils demandent toujours est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait, est-ce qu'on n'est pas trop stressé. C'est vrai que le porte-avions donne une dimension un peu plus impressionnante à toute l'aéronautique. Du haut de sa passerelle, le Pacha dirige cette micro-société. Globalement, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une ville de 2000 personnes. Je vous ai parlé d'une entreprise qui produisait des vols de combat.
Bon, d'où ça, ça veut dire que la ville en elle-même, ces 2000 personnes, ont pour finalité première de mettre en œuvre de l'aviation. L'un des volets de mon métier est de faire en sorte que de la personne qui est au fin fond de la cuisine, que le mécanicien qui est au fin fond de la soute, que le veilleur qui est en haut au-dessus de nous, là, quelques 30 mètres au-dessus de nous, tout cet ensemble, toutes ces fourmis, tous ces rouages, fonctionnent dans la même finalité qui est la mise en œuvre de l'aviation. Et puis je dirais, et ça nous concerne nous directement ou moi directement ici dans mon fauteuil, à partir du moment où j'ai mis mon verre, c'est-à-dire que j'autorise le catapultage, quelles que soient les conditions de mer, il m'appartient de tout faire pour les récupérer, même dans des conditions qui ne sont pas tout à fait simples parfois. Ça, c'est un contrat moral que j'ai avec les gens qui sont en l'air, dont le métier est fondamentalement dangereux. Le Charles de Gaulle a participé l'année dernière au volet français de l'opération Healing Freedom, qui était la participation française à la lutte contre le terrorisme, avec deux grands volets, du moins au plan maritime. Le premier était de lutter contre les possibilités d'exfiltration des gens d'Al-Qaïda par voie maritime. Nous sommes partis le 1er décembre pour rentrer le 1er juillet. Vous voyez que ça fait un déploiement de 7 mois à peu près. Si j'avais à donner quelques chiffres, c'est presque 3 fois le tour du monde en termes de kilomètres parcourus. C'est 6500 heures de vol. En permanence, nous avions 2 avions en l'air 24 heures sur 24. Ce sont des missions qui ont été réalisées par les super-étendards. Super-étendard, c'est un avion d'attaque au sol, principalement, tout temps, qui va délivrer des bombes, des missiles guidés laser au sol. À peu près 360 à 370 missions de combat. Dans ce volet super-étendard, les 2 maîtres mots étaient la distance et la durée des vols. Distance parce que les avions intervenaient à peu près 1200 km du porte-avions avec des vols de 5 heures, voire plus de 5 heures. Pour nous, Charles de Gaulle, avec son groupe aérien, c'était la première mission. Je veux dire que nous sommes partis sans avoir la certitude de réussir, comme toujours. Et nous sommes rentrés très, très heureux de ce qui a été réalisé et d'avoir su répondre présent sans casse, si je puis dire. Depuis la guerre du Golfe, les pilotes de la marine ont effectué des missions en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan. À l'appontage, leur première vision, ce sont toujours les chiens jaunes. Sur le pont, tout est réglé au millimètre près. De leurs gestes codés, les chiens jaunes guident les pilotes sur le pont d'envol. Mais pourquoi chiens jaunes ? Il y a une différenciation de couleurs sur le pont d'envol compte tenu du fait qu'on ne peut pas s'entendre avec le bruit. On a tous des couleurs différentes, du vert, du jaune, du blanc, du bleu, etc. Nous, notre rôle fait qu'on est en jaune. Et comme on a l'habitude de donner des ordres et qu'on est obligé de hurler à cause du bruit, on dit souvent qu'on aboie. Donc d'où le surnom de chien jaune, voilà. La sécurité de l'activité aérienne sur le pont d'envol oblige les chiens jaunes à faire preuve d'une rigueur constante.
notre métier a un côté spectaculaire au premier sens du terme. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde les mouvements sur le pont, c'est un spectacle permanent et dont nous sommes les acteurs, ce qui fait qu'effectivement, les chiens jaunes ont tendance à être souvent filmés, photographiés et vus par le grand public. La deuxième chose, c'est que finalement, sur ce bateau, on fait partie des rares personnes qui sont à l'air libre et donc qui ont des mouvements qui sont particulièrement visibles. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont très pointus et très qualifiés dans leur domaine nucléaire ou autre, qui font un métier qui est 10 fois plus pointu que le nôtre, mais on ne les voit pas parce qu'en fait, eux se retrouvent devant des boutons, des écrans, etc. Donc c'est moins spectaculaire. Et pourtant, Dieu sait si c'est plus difficile. L'entre des mécanos. La maintenance de 40 appareils y est assurée. Bon, là, vous vous trouvez au centre du bateau, dans le hangar. Le hangar, c'est un peu le garage du Charles de Gaulle, l'endroit où on répare et on entretient les avions. Le Charles de Gaulle, autour, c'est un bateau qui fait 40 000 tonnes maintenant et qui est armé par 1900 personnes au plein complet. Plus bas encore, des kilomètres d'escaliers, de coursives dépourvues de hublots. 300 km de tuyaux, 1200 km de câbles. Nous nous enfonçons dans les entrailles du navire pour y découvrir son cœur. Bonjour, je suis passé. Bon, vous avez été au centre nerveux du bateau, vous avez été sur le pont d'envol. Là, vous êtes dans un des autres centres importants du navire, l'un des deux PC d'où l'on contrôle les deux réacteurs nucléaires. Ce sont des machines qui produisent globalement de la vapeur avec quatre grandes fonctions, la propulsion, la production d'électricité. Globalement, la puissance installée à bord du Charles de Gaulle permettrait d'alimenter la ville de Toulon, pour vous donner une comparaison. De la vapeur pour les catapultes, bien sûr, puisque nos catapultes sont à vapeur. Et puis la production d'eau distillée ou d'eau douce, on produit de l'ordre de 350 tonnes d'eau par jour. Complètement autonome, le Charles de Gaulle dispose d'une énergie quasiment inépuisable. Quels sont les risques majeurs dans ce bâtiment à propulsion nucléaire ? Je crois que comme dans tous les bateaux, et j'évacuerai tout de suite le fait nucléaire, je ne crains pas quelque chose du côté des centrales que l'on a, les deux réacteurs. Ce sont des choses très surveillées, très sûres, qui sont tenues par des hommes et des gens très, très, très compétents. Je crois que sur un porte-avions avec des munitions, avec du carburéacteur, avec des avions, le pire ennemi, c'est le feu. Et ce que je crains le plus, c'est le départ de feu que l'on ne voit pas tout de suite, qui serait non maîtrisé et qui viendrait, je dirais, toucher les hangars avec des avions à l'intérieur. Je crois que c'est l'angoisse de tout commandant de porte-avions. C'est pas la voie d'eau, c'est pas la tempête. Hein. Sur un bateau de 40 000 tonnes, je la crains pas trop. C'est pas le reste qui est très maîtrisé. C'est pas l'avarie de combat parce qu'on s'y prépare. Le feu peut être sournois. Quatre fois par jour, répétition d'exercice au feu. De jour comme de nuit et aux quatre coins du bateau. À bord, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors sur un bâtiment de la marine, comme un porte-avions, comme n'importe quel autre bateau ou sous-marin, on est tous dépendants les uns des autres. Alors il y a les pilotes, il y a les mécaniciens, il y a les cuisiniers, et tous dépendent des uns des autres. Ce qui donne un groupe et ce qui fait la cohésion des gens. Pour faire tourner la boutique, le maître principal Schlick, 36 ans de marine. Ce superintendant est l'un des doyens du Charles de Gaulle. Voilà, ici on arrive, on est à la cuisine du pont 01. Le menu, c'est des moules frites. Là, toujours très apprécié. Là, les moules. On sert en gros 300 personnes ici. Là-bas, 500. Et on a les officiers supérieurs et subalternes.
À l'heure actuelle, ils sont 200-210. Ici, c'est le carré des supérieurs. Et là, c'est leur office. Alors ici, on fait en gros 1000 personnes. Là, on arrive à la cuisine Dupont 04. Et ils peuvent servir autant de gens. C'est 1000 en bas, 1000 en haut. Alors là, on va descendre. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est crèmerie. On fait par jour 300 kilos de farine. Réglementairement, on est tenu d'avoir un stock de 45 jours. Ça, c'est la charcuterie. Et ici, vous avez les fruits et légumes. Les pommes de terre sont en carton. Quand j'ai débuté dans la marine, c'était au couteau, à la main. La corvée de plus, journalière. Et là, on a le congélateur. C'est pas très chaud, hein, c'est moins 20. La volaille, les glaces, le poisson, bon, tout ce qui est congelé, quoi, comme un peu à la maison, hein, mais en quantité beaucoup plus grande. Ah, les ascenseurs, c'est pour les vivres, pas pour le personnel. Nous, on a les escaliers, les échappées. Dans la marine, le seul avantage qu'il y a, qu'on soit matelot ou commandant, mange tous pareil. Voilà, nous voilà revenus au pont 01. Il y a 1500 personnes qui travaillent sur ce bateau. Chaque personne a son importance. Dès qu'il y a une personne qui ne fait pas son travail, je pense qu'au bout, l'avion ne décolle pas. Grâce à ces deux catapultes, le Charles de Gaulle est capable de propulser 20 avions en 12 minutes. Le catapultage, en fait, on va mettre l'avion sur la catapulte et on envoie de la vapeur dans des cylindres, sorte de grandes sarbacanes, et ça propulse l'avion à sa vitesse d'envol. On part de zéro, on va monter jusqu'à à peu près 300 km/h, grand maximum pour le Rafale. Au moment du catapultage, le pilote encaisse une pression de plusieurs fois son poids. En temps normal, 4G, soit près de 400 kilos. Le commandant Valette encaisse beaucoup plus lors des essais et ça n'est pas une partie de plaisir. On cherche à voir les limites de l'avion au niveau de la barre de traction qui nous tracte au catapultage pour le Rafale. On arrive à des tractions qui vont jusqu'à 5G5 en transversale. Donc là, ça m'est arrivé hier, ça ne m'était jamais encore arrivé de ma carrière dans l'aéronautique, donc ça m'a fait un peu mal, quoi. En revenant de vol, j'avais un petit peu les gyros qui n'étaient pas tout à fait à l'endroit. 2 patates, 3 patates, 4 patates, 5 patates. C'est pas très très agréable, hein. C'est une grosse sensation, on contrôle pas grand chose, on a l'impression qu'on arrache tout. Ça fait partie des essais, mais c'est pas quelque chose qu'on pratique tous les jours. Les trois fameux brins, ce sont ni plus ni moins que des câbles qui sont tendus en travers du pont d'envol et qui sont reliés à un gros vérin. Et quand l'avion apponte, il attrape un de ces trois brins, il tire dessus, et c'est ce vérin qui va freiner la course de l'avion. Le pilote en conclut sa vitesse d'appontage, la vitesse à laquelle il va rentrer dans les brins. En dessous d'une certaine vitesse, il tombe. Au-dessus d'une certaine vitesse, il arrache les brins. Vous voyez que le contrat est simple, il est de bon goût, mais il est quand même assez précis. Aux aguets, des pilotes d'expérience. On les appelle des chibanes. Ces officiers d'appontage sont les anges gardiens des pilotes. Dans la ligne de mire de ce Rafale, le pont, aussi grand qu'une boîte d'allumettes. Remonte-le un peu. Soutiens le nez. L'appontage consiste à venir impacter 1,20 m à l'arrière du brin 2 dans une zone qui fait à peu près une quarantaine de mètres, la taille d'un terrain de tennis, tout en suivant une pente bien précise et une vitesse également
précise à 4 km/h près. Effectivement, c'est un ange gardien. C'est la personne qui va nous faire faire la petite correction, qui sauvera le pilote d'abord et puis aussi la machine, bien entendu. Donc ce sont des gens qu'on écoute avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, quand on les écoute pas, on reste pas dans le métier non plus. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ces gens-là, en fait, sont d'anciens pilotes, ont une grosse expérience de l'aéronautique. Parfois, le pilote dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et puis, en fait, il faut le faire. Ces gens-là, en fait, voient des choses à l'extérieur que le pilote ne voit pas dans son avion. Le porte-avions est un milieu dangereux, donc il n'y a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de s'amuser. Donc, il faut être toujours prêt, il faut être toujours sérieux, il faut être toujours... au carat, comme on dit. Les avions rentrent dans des situations un peu tendues, soit des pannes techniques avec des moteurs un peu douteux, soit après des missions de très longue durée comme celle qu'on a pu observer pendant Héraclès, où les gens rentraient avec pas beaucoup de réserves, il fallait qu'ils se posent, autrement c'était l'éjection à la patrouille. Des pales techniques font qu'ils rentrent, ce qu'on a pu observer, avec leur perche de ravitaillement devant les yeux. Ils ne voient plus grand-chose, mais à partir du moment où vous avez décidé de les ramasser, eh bien, il faut les prendre et aller jusqu'au bout. En fait, il n'y a pas eu de moment où j'ai eu peur, finalement, mais plus des moments de grande tension dans l'avion, qui ont été en particulier les premiers appontages de nuit. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'assez sportif. Et puis, également, mes premières missions opérationnelles au-dessus du Kosovo, où là, ça a été un moment très intense et assez stressant. Changement d'ambiance. La nuit est tombée, le silence se fait pesant, la tension monte. À partir de maintenant, les hommes travaillent dans l'obscurité la plus totale. Seul le rouge des couloirs tranche avec la nuit noire. Moment suspendu, juste avant le saut dans les ténèbres. Catapultage et appontage de nuit sont des exercices hautement périlleux. Malgré la rigueur, le professionnalisme et la discipline, les hommes sont-ils prêts à affronter la guerre ? La confrontation permanente avec cette notion, la mort des uns et la mort des autres, la mort qu'on va donner à l'extérieur, la mort qu'on est susceptible de recevoir, même si on n'est pas tout à fait les seuls à vivre dans ce côtoiement, on en fait quand même partie. Donc on ne redoute pas ce genre de choses parce qu'on s'y prépare. Il faut y être préparé parce que ce n'est pas quand on part qu'on se pose ces questions-là. La seule interrogation première, c'est de savoir si on est parfaitement entraîné pour y aller. Nous passons en Air Warning Yellow. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire, c'est la finalité de notre métier. Qu'on commande le Charles de Gaulle ou qu'on commande un tout petit navire, j'ai commencé avec un navire où il y avait 12 personnes pour tout et je finirai avec un bateau, il y en a 2000. Vous voyez que l'échelle est grande, mais c'est le même bonheur. Et depuis mon plus jeune âge, je tenais absolument à avoir une activité professionnelle proche de la mer. Quand j'étais top 1,
étudiant, mon rêve absolu était de partir traquer le pétrole sur des plateformes pétrolifères au large de la mer dans les tourmentes. Bon, vous me direz que la plateforme pétrolière, le Charles de Gaulle, c'est loin, mais c'est un petit fond commun, donc je dirais la mer, l'aventure. Inlassablement, les hommes du Charles de Gaulle mettent un point d'honneur à répéter une pièce qu'ils ne souhaitent pas avoir à jouer.